Bonsoir tout le monde, bienvenue à Manchester, nous sommes à l'Etihad Stadium, dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. On est très heureux de retrouver le foot anglais et ce match de Première Ligue, Manchester City contre Newcastle. Et oui, on y est presque, vous sentez la pression qui monte, la petite adrénaline, le coup d'envoi c'est pour tout de suite. La compo de Manchester City, titulaire dans le but Ederson, Ruben Dias avec Bardiol en défense centrale, Rodri sera accompagné par Kovacic au milieu et en attaque Erling Haaland. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. Et c'est parti dans ce match. Barnes. Alors le centre est pas mal, mais dommage. Il n'y a personne pour aller jouer le ballon. Pas bien joué ce centre, c'est pour le gardien. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Et l'arbitre laisse l'avantage pour City. L'avantage ne profite pas. On revient donc à la faute. Bonne intervention. La passe est interceptée. Un face-à-face à négocier. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombasso! Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. C'est reparti dans cette rencontre, City est mené d'un but. Walker. Bien placé, attention, mais c'est pas possible, c'était l'occasion jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Bruno Guimarães. Guimarães. Ballon pour Alexander Isak. Pas de faute, c'est bien défendu. Ouais, la vista avec cette passe. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Sandro Tonali. Guimarães, serré du ballon. Aïe, la passe est manquée.
Walker. Rodri. Le ballon pour Kovacic. Erling Haaland. Walker. Et c'est pas mal, le ballon circule bien. Et c'est pour Kovacic. À la frappe, pour l'égalisation peut-être. L'égalisation de Manchester City. Voilà la réaction des Citizens. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Ce qu'on peut souligner ici, c'est l'équilibre de la frappe à la tombée. Un geste d'une grande beauté quand il est bien réussi comme celui-ci. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Barnes. Attention, c'est contré. Un corner qui est bien ajusté. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Walker. Le ballon pour Ruben Dias. Walker. Walker en possession du ballon. Oui, attention à ce ballon-là. Vraie faute. Et l'arbitre là qui indique un coup franc. Walker en possession du ballon. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Le corner bien tiré. Attention, c'est pas tout à fait terminé. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Bruno Guimaraes. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais ça ne suffit pas parce que l'équipe n'arrive pas à être dangereuse dans le dernier tiers du terrain. On dirait qu'elle ne veut pas accélérer. Il y a beaucoup trop de prudence et d'hésitation. Sans vitesse, pas de paradis. Le ballon sort et 6 mètres à suivre.
Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. C'est bien fait, c'est pour Haaland. Le poteau, ballon toujours en jeu. Ouais, c'est pour Phil Foden. C'était prometteur, mais la défense est attentive. Cette fois, non. C'est intercepté par les montants. Peut-être la prochaine, on verra bien. Haaland. Le ballon pour Mateo Kovacic. Walker en possession du ballon. Phil Foden reçoit le ballon. Le ballon bien travaillé pour ce centre. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Et c'est pour Phil Foden. Et attention à cette frappe. Excellente intervention. Le ballon est capté. Excellent tacle pour la récupération du ballon. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Et ça joue sur Barnes. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Ah, il faut évoquer la première mi-temps de Phil Foden. Elle a été vraiment très intéressante. Le but de l'égalisation, c'est une joie sur laquelle il faut construire la dynamique de cette deuxième mi-temps. Son rôle n'est pas capital, il est essentiel. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Ballon perdu par Manchester City. Oh, la faute là sur ce tacle. Attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Le ballon change de camp. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et ça joue sur Trippier. Avec Tonali. Ballon pour Alexander Isak. Le tir. Ouais, c'est un ballon pour les gants du gardien. Mateo Kovacic. Walker en possession du ballon. Et c'est pour Kovacic. Les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Et ce ballon pour Kyle Walker. Interception décisive dans la surface. Nathan Wake. Une attaque et le danger se rapproche. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Ah, il y a un contre à jouer maintenant.
et ça peut être dangereux. Tout en finesse. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué! Qu'est-ce que c'est bien fait! Quel artiste pour tromper comme ça le gardien! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Voilà, c'est reparti. Et Manchester City qui est donc mené. Nathan Aké. Le ballon pour Jack Grealish. Et maintenant Haaland. Ah oui, excellent ballon. Oh, la volée était bien partie. Mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Peut-être un bon mouvement offensif pour City. Phil Foden reçoit le ballon. Et c'est dedans! La réponse est vite venue! Quel scénario incroyable! À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation! On le voit, c'est les images. Ce n'est pas le but le plus difficile du monde à mettre. Non, le plus difficile, c'est d'avoir l'idée d'être là avant les autres. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2 buts partout. Barnes. Attaque maîtrisée pour récupérer le ballon. Kovacic. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Walker en possession du ballon. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Harvey Barnes avec le ballon. Oh oui, la frappe. Ederson, et quel miracle! C'est un changement pour Manchester City.
Cornea. Oui mais non, ça ne profite pas en fait. Ah non, il est en position de hors-jeu. Jouant Cancelo. La passe pour Rodri. Nathan Aké. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Tonali. Voilà la patience avec cette possession dans le camp adverse. Jack Grealish, le danger dans la profondeur. Eh oui, hors jeu, c'était un peu trop beau ce ballon dans le dos de la défense comme ça. Petit excès d'anticipation dans l'appel des balles. Il faut oser, mais il faut doser aussi. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Le ballon. En touche. Kieran Trippier, avec le peu de temps qu'il reste. Si une équipe marque, la rencontre est sans doute terminée. Ballon pour Kieran Trippier. Avec Bruno Guimaraes. Et ça joue sur João Cancelo. Erling Haaland. Attention à cette passe. Quel ballon dans le dos de la défense. Et but. Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et c'est reparti avec l'avantage pour Manchester City. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Tonali. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Trippier. Harvey Barnes avec le ballon. La frappe est bien contrée. Grealish. C'est intercepté. City perd le ballon.
ça rentre, but. Ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. Quatre mises à deux au tableau d'affichage. C'est terminé, la fin du match avec la victoire pour Manchester City. Deux buts d'écart à la fin du match, une juste récompense pour cette magnifique prestation collective. Alors que là, le réalisateur nous montre Erling Haaland et il a été bon, le Norvégien. C'est un match complet de sa part. Il y a de l'effervescence, de la vitesse et de l'abnégation. Et puis ce but pour contribuer à la victoire de son équipe, c'est très bien joué.